Salut tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve sur South Park, l'anal du destin. Je vais pas m'en lasser de tout le temps dire ça. Genre, commencer une vidéo et dire hey, on se retrouve pour l'anal du destin, c'est vraiment le meilleur truc au monde. Bref, donc, la dernière fois qu'on avait joué au jeu, on avait plutôt bien avancé, on avait continué à développer nos super pouvoirs. On avait vu notre père niquer notre mère, ce qui est vraiment super traumatisant. Et du coup, là, on avait rencontré. Enfin, Cartman, ou le Coon, nous avait demandé en gros d'aller sortir dehors, d'aller faire 2-3 trucs, d'aller récolter des abonnés sur Coonstagram pour devenir les plus populaires. Donc on est parti. Ah, tac. Ça te trouve le cul. Voilà. Donc, avant de commencer, sinon, à faire tout le jeu, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai touché bien à paramétrer. Avant de commencer à faire tout le jeu, je vais vraiment vous remercier dans la dernière vidéo, parce que, genre, quand j'ai lancé le Let's Play, je me suis dit que ça allait pas forcément plaire à beaucoup de monde sur la chaîne, parce que ma communauté, elle est très variée, en fait, ce qui est très cool. Du coup, je peux faire plein de trucs. Mais le problème, c'est que South Park, c'est un jeu qui est assez précis au niveau de l'humour, et je suis très content que tous ceux qui ont regardé la vidéo étaient ultra, ultra, ultra à fond. Allez, on est parti, on va sortir dehors. Respirons le bon air frais de South Park. Gagne des followers en convainquant les gens de prendre des selfies avec toi. C'est pas comme ça qu'on gagne des followers dans la vie. Pour demander un selfie à quelqu'un, va le voir en appuyant sur W. Ok, mémé. Mémé, ça nous fait gagner un des abonnés. Selfie. Oh oui, j'en ai entendu parler. Yes. Mémé va nous faire gagner des abonnés. Allez, mamie gâteau, regardez. Vas-y, prends ta position. Ah, regardez, là, il y a ma bouche qui fait des trucs de folie. C'est marrant. Attends, tais-toi, mémé. On doit prendre la meilleure pose. Oui, voilà, on zoome. C'est parfait. Attends, mets-toi un peu plus sur la gauche. Encore plus. Attends, non, voilà, là on est parfait. Là c'est le meilleur selfie. Pris un prix. Pas très marrant. Pas très marrant. Oh, formidable. Ok, ouvrir Coonstagram. T'en as vraiment Coonstagram. Le concurrent direct de Instagram. Mademoiselle Fornicle est maintenant une follower. Seuls les gens qui prennent des selfies avec toi vont te suivre. Donc en gros, alors voilà ce que vous devez faire dans la vie. Vous voulez les abonner sur Instagram. Avec l'accent, vous voulez vous abonner sur Instagram, vous allez dans la rue, vous allez voir une mémé et vous lui dites hey, on prend un selfie. Bon, une chance sur deux pour qu'elle vous balance une bombe lacrymogène dans la tête, mais moi perso, je trouve ça cool. J'ai essayé après, j'irai dans la rue et demander à tous les gens que je croise des selfies. Ok, lui va lui demander un petit selfie. De followers pour que je prenne un selfie avec toi. Ça y est, le mec est trop over, le mec est trop hype. T'as pas assez de followers pour que je fasse un selfie avec toi, tu te prends pour qui? Allez, dégage, connard. Ils sont le méchants. On dirait que tu as atteint les limites de l'univers connu. Au-delà, ce sont les limites du temps et de l'espace. Derrière ce buisson, il y a les limites du temps et de l'espace. Ça paraît vraiment important. Ok, on fait demi-tour, pas de problème. Celui-là, il veut pas qu'on prenne le selfie avec lui, donc on va aller voir lui. Écoute, je ne fais des selfies qu'avec des gens connus. J'ai 95 000 abonnés et je suis pas connu. Non, je déconne, on s'en fout. Attends, je suis tellement fort que j'ai vraiment pleuré. Je ne fais des selfies qu'avec des gens connus. Est-ce qu'on peut toujours rentrer chez les gens? Oui, on peut toujours rentrer chez les gens comme ça. Home sweet home. J'ai joué à un jeu d'horreur en plus récemment qui s'appelait Home sweet home. Je suis sûr, lui, a envie de prendre un selfie avec nous, non? C'est moi ou toutes les maisons dans ce pays se ressemblent? Le bonheur, c'est une maison bien rangée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu fais très peur. T'as des couteaux à côté de toi. Je pense que je vais partir. Mais d'abord, je te vole quelque chose au bon. Antidote console. Je suis en vrai, je suis un putain de voleur. Je vole absolument tout ce qu'il y a dans cette maison. J'ai pas trop envie d'aller voir Butters. Pas que je l'aime pas dans la série, il est trop cool Butters. Mais c'est juste que là j'ai envie d'aller explorer le monde. Ok, toi tu fais quoi? Attends, putain, c'est la pire photo. Ah, même lui il se demande, putain, qu'est-ce que je fous là? Faut que je lui demande en fait, faut que je lui propose. Je peux pas apparaître sur une photo avec quelqu'un qui a si peu de followers, désolé. Désolé. Personne m'aime dans ce jeu. Pourtant, je suis trop cool. Je suis un exploseur en plus. Mais, ah. Attends, elle veut pas venir avec moi. Hey, reviens, toi. Allez. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce... Tu fais quoi, toi? J'arrive pas à ouvrir cette boîte aux lettres. Ah, ok. Je sais qu'elle était en train de... compter les pruneaux. Voilà, oh, je l'ai aidé. T'as réussi à l'ouvrir. Tu fais honneur au super-héros, mon petit. Ok, tu comprends cette selfie? Bien sûr, gamin, avec plaisir. Tiens, en vrai, tous mes abonnés sur Coonstagram, ils vont avoir genre 5 ans, non, 50 ans plutôt. Ok, cool. Ok, bon, au revoir. Et toi, tu veux... Ok, t'es assez connu pour que je fasse un selfie avec toi. Ok, enfin un mec respectueux. Oh oui, là, parfait. Ça, c'est le selfie. Yuppie. Allez, likez ça, partagez ça. D'ailleurs... si vous pouvez... On est potes maintenant, j'imagine. Oui, si on est pas potes. si vous voulez me suivre d'ailleurs, parce qu'en parlant de ça, parce que je le dis jamais assez souvent, si vous voulez me suivre sur genre pas Coonstagram du coup, mais Instagram,
Twitter ou Facebook. Vous pouvez, tous les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Me suivre dans la rue si vous voulez. On est chez qui ici? Ah, on est chez moi je crois. Oui, il y a toujours ma mère qui est en train de pleurer ou d'avoir un orgasme. Je sais pas. Hein. C'est trop compliqué. Attends, ah, je sais. Peut-être que maintenant que j'ai pas mal de followers, il faudrait que j'aille voir ceux qui m'ont dit non pour les followers et que je leur demande est-ce que vous voulez me follow? Ça peut fonctionner ou pas. Tu veux toi? Je pense qu'on a assez de followers en commun pour faire un selfie. Yes! Ok, parfait. Youpi! Mais combien j'ai laissé la tête au dernier moment? Il était comme ça. Pas mal, Tourduc, t'as gagné des followers assez vite. Continue comme ça. J'ai du mal à joindre certains membres de la bande. Essaie de découvrir ce qui se trame. Ok, Cartman. Le Koon, désolé. Cartman, je connais pas. Tape ouvrir ton téléphone. Ouvrir la carte. Yes! Oh, la carte de South Park! Bienvenue à South Park! Pfff, je le sens plus de générique. Que des visages amicaux! Le choc des mondes parallèles. On retrouve Kyle chez lui. Kyle Broflovski? Donc, c'est parti pour l'aventure. A noter que j'ai toujours, je sais pas, 8 ans dans le jeu et j'ai une barbe plus grosse que moi. Donc là, attendez. Là, il y a Cartman, donc ça veut dire que Kyle, il est juste là. C'est pareil. Non! C'est tellement nul! Ok, là, on est chez Stan. Kyle, il doit être à côté. Je vois que tu as trouvé le palais dans les nuages, la base opérationnelle de l'homme cerf-volant. Peut-être que tu le trouveras à l'intérieur. Ah, il est là, l'homme cerf-volant. T'es qui, toi, bordel? Non, mais sérieux, tu m'envoies un noob après mon signal de détresse? T'es un vrai connard, le Koon. Désolé, gamin, mais j'ai un problème bien trop important pour un débutant. Il y a quelques jours, une anomalie s'est produite dans l'univers. Une autre version de moi. L'homme cerf-volant d'un autre univers s'est pointé ici. Il détruit tout, il est dans ma chambre et rien ne peut l'arrêter. On va aller dans ta chambre, je vais voir ce qui se passe. Je pense que ça va être un truc nul. L'homme cerf-volant d'un autre univers se trouve derrière cette porte. Je peux pas le combattre, pour des raisons évidentes. T'imagines bien, distorsion d'univers parallèle et tout le tout-team. Oui, oui, alors c'est connaît. Toi qui vas t'en charger. Tu dois lui botter le cul pour qu'il retourne chez lui. T'as compris? Chope-le. Ok, allez, merci. Ah, salut Kyle, me revoilà. Ah, donc lui, c'est l'homme cerf-volant d'un autre univers. Il joue avec nous. Bon, moi dans notre univers, il est temps pour toi de repartir d'où tu viens. Ben quoi Kyle, une équipe je te rappelle. Je suis pas d'un autre univers, on est des super potes. Comme tu peux le constater, c'est lui qui entache la réputation de l'homme cerf-volant. Il a été envoyé ici pour me détruire et saper mes pouvoirs. Non, je suis venu passer 2 semaines avec mon cousin et j'ai voulu jouer au super-héros. Alors il a dit, ok, tu vas être lequel? J'ai dit, l'homme cerf-volant. Et il a dit, tu peux pas être cerf-volant parce que c'est moi. Alors j'ai dit, pourquoi on serait pas l'homme cerf-volant tous les deux? Et je suis allé voir Tanchela et je lui ai tout raconté. Et elle a dit qu'elle devait faire comme je voulais parce que c'est lui qui invite. Waouh. Tu te rappelles? Waouh. Je suis désolé, moi, d'un autre univers. Mais il est temps que t'apprennes que jouer au super-héros, ça fait mal. Le nouveau, tu dois détruire mon alter-ego, maintenant. Oh, seigneur, on va se battre. Eh oui, mec, si tu veux jouer, alors c'est comme ça qu'on fait. Bon bah d'accord, si ça peut me rapprocher de mon cousin, prépare-toi à combattre à Vorton. Mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais être en train de jouer au M&M's. Non, M&M's c'est pas un jeu. Mais, ok. J'ai jamais fait beaucoup d'entraînement, c'est un truc sans contact. T'es contact, toi. Pas d'entraînement. Alors j'ai peur de devoir refuser, je n'ai pas mes protections. Ah c'est fini. Oh, pas question, chope-le le nouveau. Ok, on va le démoncer. Mais moi j'ai des attaques ultra puissantes. Ouais, j'aimerais bien. On va faire celui-là. Mais du coup il va, je vais le one-shot. Ça je vais le répéter à Tanchela. What? Eh ben, faut prendre des tas de décisions dans le jeu. Tu pouvais ne pas jouer, t'aurais pu prendre cette décision-là. Putain, mais il est ultra bon en fait en face. Je l'ai beaucoup trop sur le côté. Je commence à avoir des vertiges. Allez, méga attaque. Ouf. Attention s'il vous plaît, j'ai un grand nombre d'affections que je tiens pas à aggraver. Oui. Le liquide de mon oreille interne s'est stabilisé. Quoi? Le dernier coup comptait pas, hein. J'étais dans les vapes. Dans les vapeurs. Un grand classique des conneries d'univers parallèle. Quoi? Le gars s'est régénéré ses points de vie, c'est une blague. Une seconde, j'ai besoin d'un temps mort pour utiliser mon inhalateur. Non, y'a pas de temps mort avec moi maintenant. Maintenant il brûle. Et tout le monde dit rien. À temps mort et il n'a pas écouté. Tu sais que mon asthme revient dès que je fais de l'exercice. Ouais, je crois que ce serait plus juste si j'avais un bouclier ou un truc comme ça. Mais en l'occurrence, ce sphère thorax a aussi une grande valeur sentimentale. Mais, le volant est un extraterrestre. C'est pas des trucs juifs. Et tu peux pas inventer des pouvoirs en plein milieu d'un combat. C'est pas des trucs juifs. Je n'invente rien, c'est tout à fait légitime dans mon autre univers. Ah. Ok.
Mais what? C'est mon tour, pas celui du nouveau, parce qu'il a pas attendu tout à l'heure quand j'ai demandé une pause, donc je pense que ça devrait être à moi. Tu plaisantes? C'est carrément de la triche! Ah oui, mais là, moi, je me bats, hein. Oh mince, okay. Je pensais pas que je te frapperais vraiment. Quelqu'un aurait de l'hydrocortisone en crème? J'avoue, il crame depuis tout à l'heure, lui, hein. Ok, je vais lui envoyer ma méga attaque. Prends ça! Ouf, tu sais que c'est vraiment fragile. C'est lui a fait aucun dégât, c'est une blague. Ah, mais en même temps, il avait sa protection. Très bien, c'est parti pour mon super pouvoir ultime. Prépare-toi. T'es Qu'est-ce qu'il fait? Oh, putain! Ok, colère du cerf-volant d'un autre univers. Qu'est-ce qu'il va faire? Yeah. J'ai gagné! Oui! Oh, je suis vraiment trop fort. C'est le combat le plus épique de mes 10 dernières années. 30 ans de carrière, jamais vu ça. Je crois que j'ai rompu mon hernie. T'en as assez de mon moi alternatif? Ouais, ce truc de super-héros, ça fait un mal de chien. Je ferais mieux de regagner mon univers. Oh, tu t'en vas? Ça craint. Ouais, je vais regagner mon univers, homme cerf-volant. Il me faut du campo phénique pour mon oreille. J'ai récolté une égratignure en me faisant péter dessus. Mec, je sais pas comment te remercier, mais désormais, compte sur moi si t'as besoin d'aide. Ok. L'homme cerf-volant est mon nouveau meilleur pote. On prend cette fille? Ouais, juste deux héros en train de glander. Deux héros en train de glander. Ouais, j'aime bien comment genre, les têtes, elles s'inversent. Enfin, toujours la deuxième personne, elle s'inverse juste quand je prends la photo. C'est comme les gens, genre, qui sont genre ultra tristes comme ça. Et puis on leur dit selfie. Et après, genre, dès qu'ils ont terminé leur selfie, ils font. Comme ça. C'est genre, les personnes, je sais pas si elles sont heureuses ou si elles font semblant d'être heureux. C'est très beau ce que je dis. Est-ce que je peux lui voler des trucs? J'ai l'impression que dans cette ville, les gens, ils s'en battent les couilles. Je vole Il y a quelque chose là? Il fait quoi? Ça va, mec? Selfie? On fait un selfie. Ok. Lui, c'est le petit foire canadien de Kyle. Ike, bras flash. Je suis influenceur de niveau 2. Lui, il s'appelle Randy Marge. Voilà ça. J'essaie de me souvenir ce que ça fait longtemps. Tu saurais pas quelque chose? Quelqu'un raille la voiture de ma femme la nuit. Non. Ça arrive toutes les nuits. Au début, je pensais que c'était l'un d'entre vous, mais bon. Viens jeter un œil. Toutes les nuits, je pense à toi. Celui qui raille la toutes voiture, laisse aussi des messages. Je crois que ce ne soit un amant éconduit ou autre. Tu ne m'oublieras pas aussi facilement. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je vais tout cafeter, salope. Écoute, j'en ai marre de devoir gérer cette merde. Si t'arrives à choper le coupable, je te suivrai sur Instagram. Fais-moi confiance, j'en vaux la peine. Je suis quelqu'un qui compte grave dans cette ville. Moi, je m'en bats les couilles. Franchement, tu peux être... En vrai, je crois que je suis partie des personnes, les gens connus, par exemple, sur Instagram. Je m'en fous un peu, en fait. Genre, tu peux être ultra connu, même une star de cinéma, etc. Genre, ça est devant moi, ça change absolument rien. Alors que c'est très bizarre quand c'est des youtubeurs plus connus que j'aime bien, genre Jean-Baptiste Chaud, PewDiePie ou Jacksepticeye, etc. Là, je ferais mon fanboy, mais genre, si c'est Instagram ou les trucs comme ça, genre, je sais pas pourquoi, ma tête, c'est bien, hein. Mais c'est pas, genre, je suis pas intimidé par ce genre de personnes. Je casse ta boîte aux lettres, enfoiré. Bon, à tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là.